Du coup, on a fait tout notre move. Est-ce qu'on rescinde les troupes? On fait de la petite troupe quand même, hein. Allez. Le petit tas d'or. 150 d'or par round. Est-ce qu'on va jusque là? Ouais. Hein. On va ratisser large. Petite colonie? Ah ça je peux le récupérer? Ah oui d'accord. Ah je pensais que là c'était la muraille et qu'il y avait une ville qui allait s'éteindre ici. Bon. Bah go. Hein. En vrai il y a un ennemi caché qui va apparaître par le script. F5. Plus intérêt à Rocha parce que là je vais avoir des revenus. Après je vais être assez pour tout faire là. Ah bah du coup j'aurais déjà mon minerai céleste. Je peux interagir mais c'est pas pillé. Bah écoute un go. Très facile. La petite colonie du point du corbeau se trouve à la frontière des baronnies de Lot et de Cœur-Vaillant. Ferradine, quel soulagement de vous voir. Nous vivons une époque bien étrange. Étrange en effet, mais également fascinante. Je souhaite un compte-rendu détaillé de tout ce que vous avez vu, je vous prie. Tout a commencé il y a quelques semaines. Nous avons entendu des bruits de combat, puis une violente explosion au cœur de la tendre Sylve. Nous avons pris les armes et montons la garde depuis. Une explosion? C'est la première fois que j'en entends parler. Que s'est-il passé ensuite? Les failles sont apparues ainsi que des monstres inconnus. Le gigantesque Tados qui semblait fusionner. Nous nous sommes cachés derrière nos murs et étions trop terrorisés pour demander de l'aide au Havre aux chênes. Nous sommes en route pour le Havre Chêne. Nous ferons parvenir des renforts. Pour le moment, reposez-vous. Vous êtes sous notre protection. Corvaillant prévaudra. Oh oui, c'était même pas mon... C'était pas Roderick. Hein. On est qu'à la moitié du chemin. Là. En fait, il y a juste un petit mur là. Protège. Du coup, c'est pas encore récupéré. ...200 pièces d'or par round. Alors du coup c'est tellement une petite colonie que... Ah si je peux l'améliorer, ok. J'ai un emplacement de construction déjà. Faut 5 pierres pour l'améliorer, mais j'ai même pas ça. J'ai pas encore cherché, il y a le dépôt de pierres au-dessus, faudra aller le récupérer. Ah ouais en fait non, le bâtiment que j'ai c'est la tour quoi en fait. Ouais si on subit des attaques, c'est peut-être bien qu'elle soit là cette tour. Recruter, rien. Améliorer, rien. Défense, ça. Palier 1. Un palier 1, 0 palier 2. Ah oui, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, garnison max de fantassins... Non, pourquoi garnison max, c'est plus 10 par tour. C'est peut-être les vrais tours. Il y a peut-être les deux tours, en fait. J'ai deux fantassins et deux miliciens par tour, mais pour chaque tour que j'ai construit, je peux avoir 10 et 20 fantassins et miliciens. Il y a un truc qui m'indique le maximum là, même pas. Hein. Je veux juste que j'ai deux, mais ça je peux pas les récupérer, les déplacer. Hein. Ça reste en garnison. C'est-à-dire que là finalement il y aura toujours des troupes, même si moi je décide pas d'en laisser volontairement. On va voir si on se fait attaquer, hein. Là, j'ai 200 de revenus. Mais voilà, je peux déglinguer la tour et me dire, bah, je fais une ferme à la place. Ou alors... Après, je peux l'améliorer aussi, hein.
Si je l'améliore, j'ai des emplacements. J'ai envie de dire, tant que je me fais pas attaquer, mais là peut-être que, comme j'ai déclenché le script, des troupes vont venir, des troupes d'un autre joueur vont venir m'attaquer. Au pire, on va faire une sauvegarde. Ah, je suis en QWERTY. Ça, si jamais j'ai des regrets d'avoir détruit la tour, je pourrais revenir à cet état. Parce que là, avant d'aller plus loin, il y a tout ce qu'il y a au-dessus à fouiller. Peut-être voir si ça c'est envisageable, même si l'objectif a l'air de nous dire d'aller plutôt là-bas. Et que ça c'est peut-être un peu trop vénère et qu'on ira bien après là. J'ai l'impression qu'il y a des liches là. Une mine d'or aussi, non? Ah ouais, mine d'or c'est bien. C'est bien, mais ça se mérite. En fait, là, il y a juste la carrière de pierre, et après, on a toutes les mines des environs, quoi. Bon, du coup, est-ce que je détruis la tour de garde? En fait, le seul truc intéressant à faire, c'est soit une chaumière paysanne, soit une taverne. Parce que là, avec la colonie, bah, j'ai 200 de revenus en plus, donc... Si je fais des nouvelles troupes, j'aurai de quoi les recruter. Et là, je me suis fait un bon petit capital. En plus, en revendant la tour, là, je me refais une pierre. Ah, mais j'ai mes 7 minerais en plus, là. Il faudrait que je le vainque, lui, là. Je pourrais faire ma caserne améliorée, là, enfin. Il me manquerait 3 cailloux en détruisant la tour. Ou alors, je fais une carrière de pierre, si vraiment... Vraiment, je galère à affronter eux. J'ai envie de dire... partons à la formation. Je sais pas si je pourrais y aller, s'il y a des choses à faire là-bas. Une arbalète de la forgeronne. 15 d'attaque à distance au lieu de 5 et 5. Bon, là, c'est spécialisé, hein. C'est à deux mains, j'imagine. De la poudre et des balles? Bah, la camelote barienne. Quand la pluie tombe à verse ou qu'il faut être discret, c'est une arbalète arléenne qu'il vous faut. Bernie Lagrange. Serpente chemin, sapeur arléen. Bon, après, j'ai des sapeurs, j'ai des forestiers. J'ai encore des sapeurs, encore des forestiers. J'ai que deux fantassins. Je peux prendre l'attaque à distance. Mais il me faudra que je recrute des fantassins quand même, parce que là, ça commence à se voir. Y a rien là-bas, du coup? On va se rapprocher de là. Hein. Facile. Faut chercher la carrière. Hein. Bon, après, c'est 3h56. On va se faire une petite sauvegarde. Une nouvelle. Je peux la renommer là sans effacer. Hop. Du coup, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le stream, on est pas mal. Donc, si c'est voulu, on continuera parce que le jeu est très cool. Je cherche juste le menu principal. Là. Du coup, bah, je remercie ceux qui étaient là, je remercie ceux qui ont vu la rediff, j'espère que ça vous a plu, Songs of Conquest. Des bisous YouTube et à très bientôt pour une prochaine VOD.